Bonjour à tous, bienvenue à Seul & Geek épisode 5. Salut Christophe. Salut John, et donc bienvenue aujourd'hui en direct des espaces de Sofia où auront lieu le week-end prochain. Donc ça sera le week-end du 15 au 17 si j'ai pas de bêtises. Christophe, je te laisse la main. Bon ben voilà, on commence fort, hein. Comme je l'ai dit, si je dis pas de boulette, et j'ai bien entendu dit une boulette, donc ça commence le jeudi 17 mars 2011 au soir pour l'Open Coffee, et ça finit le dimanche 20 mars 2011 au soir pour la remise donc des prix. Allez, on peut y aller maintenant. Le fameux Startup Weekend. Donc on reçoit aujourd'hui John, un invité exceptionnel. Voilà, Sylvain, président de l'association Riviera Cube, et donc on va enchaîner avec une petite interview. Salut Sylvain. Bonjour John. Donc ce week-end, un événement important, hein, donc le Air Cube. Tu peux nous en dire deux, trois mots? Tout à fait. Donc ce week-end, c'est un week-end un petit peu étendu. Donc le Air Cube, c'est un événement qui commence le jeudi soir par un Open Coffee, donc cocktail de lancement de l'événement donc qui se passe où on est en ce moment aujourd'hui, donc aux terrasses de Sofia. Terrasse Antipolis, et on y sera d'ailleurs. Hein. Ouais. Donc on fera aussi quelques images. Exactement. Donc cocktail de lancement qui a lieu donc de 18h à 21h le jeudi soir, donc ce jeudi 17 mars. Ensuite, le vendredi, un barcamp entrepreneuriat et innovation, donc avec différents ateliers sur ces thématiques-là qu'on verra un petit peu plus tard. Donc, il y a des confs en détail, des conférences, des ateliers. Mmh. Donc c'est plutôt le principe de non-conférence du barcamp, avec donc des sortes de grosses tables rondes avec un modérateur pour échanger sur des sujets. Tout en sachant qu'il y a des intervenants du type Pierre Aski, Pierre-Olivier Carle qui vont parler de technologie de l'information, d'impact de la technologie sur l'information et d'entrepreneuriat, pour Pierre-Olivier Carle par exemple. Et donc après on enchaîne sur un Startup Weekend, donc ça sera l'occasion d'avoir la première édition du Startup Weekend en fait, qui est une institution mondiale créée à Seattle et sur laquelle on a 160 événements par an dans le monde, donc à Sydney, à New York, à San Francisco, à Kuala Lumpur, un petit peu partout. Et récemment, une douzaine d'événements sur la France. Donc il n'y en avait pas jusqu'à aujourd'hui sur la Côte d'Azur, donc on lance la première édition de ce Startup Weekend. Startup Weekend qui est une sorte de business game pour à la base, mais qui permet aussi de faire éclore des startups et de donner envie d'entreprendre en fait à des jeunes ou moins jeunes de différents types de profils, donc que ce soit des développeurs ou des gens qui font du business, du web marketing ou du graphisme par exemple. Ça commence du vendredi 18h, on fait l'accueil des participants, ouais. Jusqu'au dimanche 17h où on a ce qu'on appelle le pitch final avec la présentation des projets aboutis, avec un prototype du produit, une stratégie de développement, le type de présentation qu'on ferait à un business angel par exemple. Les startups vont présenter leurs projets à un jury de professionnels pendant, ça va durer 2 à 3 heures en fonction du type de projet que l'on a, et à l'issue de ça, le jury va remettre plusieurs prix, en fait va élire un grand gagnant qui va gagner en fait un geek trip dans la Silicon Valley, va élire également trois gagnants, dont le premier que j'ai cité, qui vont avoir trois mois d'accompagnement en fait de différents types, comptables, juridiques, sur leur projet, pour maturer leur projet. Il y aura également un prix d'innovation qui sera remis et accompagné par Vianoveo, qui est un de nos partenaires. Et ensuite, tout au long du week-end, en fait, il y aura différentes choses, et notamment en fait un tirage au sort sur un lot qui est offert par Everything for Mobile, donc il y a un iPad 2.
avant même sa sortie française. Ça, c'est quand même bon. Hein. Moi, j'ai essayé d'en commander un pour l'instant par le biais d'un ami aux US et malheureusement, j'ai loupé le coche. Donc, je vais être obligé d'attendre le 25. Donc, pour être honnête, en fait, donc, il sera pas remis le jour J, mais il sera remis en primeur. Il sera remis en primeur le 25 mars lors de sa sortie. On peut peut-être juste dire, parce qu'on parlait de l'iPad et compagnie, qu'on va essayer avec John d'être présent au lancement de l'iPad à l'Apple Store de Cap 3000. Hein. On va voir si ça peut se faire. Ouais. Donc c'est le 25. 25, voilà. Ah, quand même, il faut enregistrer cette date. Ceux qui seront en train de faire la queue devant, on essaiera de venir filmer quelques. Ça n'a pas des entrées chez Apple Non. Bon, j'en ai, mais j'ai pas le temps de les faire jouer. Donc si on se résume, jeudi soir, Open Coffee pour que tout le monde se rencontre, en fait tous les participants au week-end se rencontrent. Vendredi, Barcamp, donc tu vas nous expliquer dans deux minutes un petit peu plus en détail ce qu'est le Barcamp, le programme, parce qu'il y a vraiment des choses super intéressantes et très bons intervenants. Et donc le week-end après pour les fondus de start-up et les gens qui ont un projet ou qui veulent aider à un projet, le start-up week-end qu'on va détailler aussi un petit peu ensuite. Donc déjà sur le Barcamp, si tu peux nous en dire un peu plus, ce qui va se passer Alors moi j'avais juste une question pour rebondir là-dessus, c'est au niveau des inscriptions, parce que je présume qu'il y a des inscriptions. Oui. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Il faut savoir que le podcast, on va essayer de le diffuser. Tout à fait. Donc sur l'Open Coffee, donc le cocktail d'ouverture de l'ER Cube, en fait on peut encore s'inscrire. Donc ça se passe à partir du site reviracube.org, www.reviracube.org, et on a les différents moyens de s'inscrire aux différents événements. Donc pour l'Open Coffee, c'est un groupe Facebook. Pour le Barcamp, on peut également s'inscrire. C'est encore ouvert, même si c'est déjà très 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 rempli. Donc on a plus de 110 participants qui sont déjà inscrits au Barcamp, mais possibilité encore de s'inscrire. Et malheureusement pour le Startup Weekend, on est totalement full parce qu'en fait on limite au modèle en fait du Startup Weekend qui doit se gérer d'une certaine manière, et on a limité volontairement à 100 personnes. Et pour des questions de logistique aussi et d'organisation, on avait limité au départ à 100 personnes. Alors voilà. Donc Barcamp, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le programme du Barcamp? Comment ça va se passer? Oui, donc au niveau du Barcamp, en fait, le Barcamp dure, l'ouverture du Barcamp est à 11h. Donc ça commence par un cocktail lunch networking. Juste, ça se passe à Schema. Ça se passe à Schema Exécutive. Voilà. Voilà, effectivement. Et donc ouverture à 11h avec un lunch networking. Et ensuite, en fait, on aura deux sessions d'ateliers qui se passeront en parallèle. Donc une première session de 13h30 à 15h, première session d'atelier qui traitera deux sujets principaux, le financement de l'innovation, donc avec des interlocuteurs du genre incubateur, avocat, comptable, créateur d'entreprise, et société qui aide des entreprises à s'exporter aux États-Unis ou dans d'autres pays, à l'international. Et un deuxième atelier en parallèle sur tout ce qui est réseaux sociaux et entrepreneuriat. Donc pour le premier atelier, donc on peut citer par exemple Pierre-Olivier Carl qui co-animera l'atelier avec d'autres personnes. Et sur le deuxième atelier sur les réseaux sociaux et l'entrepreneuriat, on peut parler notamment de Cédric Georgi qui va co-animer aussi l'atelier. Cédric Georgi qui a rejoint récemment Sismic, donc il y a quelques mois maintenant. Et qui fait partie aussi de TechCrunch FR, TechCrunch France. Donc ensuite, on a une petite pause de 15h. Oui, tout à fait, qui connaît très très bien son domaine. Vous avez une pause intervenante, c'est un programme sympa, ça vaut le coup. Donc après de 15h à 15h30, une pause café, et ensuite on enchaîne sur deux nouveaux ateliers en parallèle. Donc premier atelier sur l'information et l'innovation, donc en gros l'impact de la technologie sur la gestion de l'information. Donc là on est en plein dedans avec tout ce qui s'est passé en Chine avec Twitter, l'impact qu'a eu Twitter et l'impact qu'ont eu les réseaux sociaux sur les différentes crises que l'on a pu vivre ces derniers temps. Et donc cet atelier-là sera animé par Pierre Aski, fondateur de Rue 89, donc qui est également quelqu'un de très compétent sur le domaine et qui pourra apporter sa vision sur le sujet. On aura également Jean-Pierre Largillet de Webtime Media et on aura d'autres journalistes qui se joindront à cet atelier pour
pour échanger, apporter en fait de l'information sur cette thématique. En parallèle de ça, on aura un atelier sur l'entrepreneuriat, donc sur le thème entreprendre, créer son entreprise, éviter les pièges, les bonnes habitudes à prendre. Donc qui sera co-animé par Pierre-Olivier Carle et Pierre Chapaz, qui sont aussi très, très connus sur le domaine de l'entrepreneuriat. Fondateur de Wikio, Pierre Chapaz, c'est ça. Exactement, serial entrepreneur, voilà. Donc d'autres personnes viendront se joindre à eux, notamment Toufik Lerari, qui est le CEO de Tequila Rapido, qui est un de nos sponsors. Donc ces ateliers seront animés de façon, donc les différents intervenants vont se présenter, donc c'est valable pour tous les ateliers, se présentent pendant quelques minutes, mais très peu de temps en fait, et ensuite c'est une sorte de grande table ronde avec des échanges, la possibilité au public en fait d'intervenir, de poser des questions, beaucoup d'interactions. C'est vraiment un principe de non-conférence, vraiment le principe de non-conférence, c'est pas une personne qui va diffuser de l'information vers les autres, mais c'est vraiment un échange énorme qui se passe et une synergie entre les gens, à la fois des gens qui viennent et qui ont une certaine posture et qui sont CEO d'entreprise ou autre, et des gens qui sont dans l'assemblée qui peuvent être CEO d'entreprise ou pas, et qui vont échanger sur une thématique qui leur tient à cœur. Sylvain, tu nous disais que toi, le côté geek, c'est pas ce qui te définit le mieux. Non, à la base, je suis pas spécialement un geek. En fait, j'ai été développeur, c'était il y a un petit peu longtemps. À l'époque du Minitel, c'est ça? Peut-être pas à ce point-là quand même, mais un petit peu. Bon. Alors, on peut peut-être en profiter, c'est très intéressant ce que tu dis, pour rebondir un peu sur l'association 2 secondes, et pour nous expliquer, parce que justement, c'est ce que Riviera tu es en train Cube. De faire là, mettre en avant les startups, etc. Pourquoi Riviera Cube? Quel est le cheminement? Comment vous en êtes arrivé là? Et quel est le but de l'association? Voilà, tu es le président de l'asso. Tout à fait. Qui organise donc les événements. Hein, donc voilà, bon déjà, je ne suis pas tout seul dans l'association, je suis président de l'association. Donc en fait, on a créé cette association, on est 6 en tout dans l'association, et tous très motivés pour faire tourner ces événements, pour mettre en avant les startups, tous avec le même objectif. L'association Riviera Cube en fait est née d'un cheminement. En fait, moi j'ai travaillé dans la Silicon Valley pendant 3-4 ans dans une société qui n'était pas du tout dans le web, mais qui était dans l'édition de logiciels. La vraie Silicon Valley. Donc je travaillais à mi-temps en fait entre la Silicon Valley et ici. Ça m'a permis de voir un petit peu comment ça se passait là-bas, quelle était leur culture d'esprit par rapport à l'entreprise, par rapport à la start-up, par rapport au financement et tout ça. Et il s'est avéré en fait que l'année dernière, moi j'ai voulu commencer à créer, donc à lancer une start-up. J'ai commencé à y travailler, j'ai fait un petit peu le tour d'entrepreneurs de la région, entrepreneurs web ou pas d'ailleurs, de start-up. J'ai regardé un petit peu les différentes institutions ou associations qui pouvaient exister sur la région. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin en fait de créer une dynamique ciblée autour de l'économie numérique et de l'innovation. Économie numérique, web, mobile, ce genre de choses. Sur ce, j'ai rencontré en fait d'autres personnes qui avaient les mêmes envies. Donc ces personnes-là en fait ont toutes participé à des événements organisés ou co-organisés, des événements comme le Nice Drink, donc événement sur Nice avec qui commence à avoir une très forte popularité également, une grosse dynamique, des événements sur Sophie Antipolis avec l'Open Coffee, des événements comme le Barcamp qui existe aussi depuis quelques années, qui n'en est pas à sa première édition, merci. Et donc le Startup Weekend, merci Amato. Donc le Startup Weekend qui est lui à sa première édition sur la Côte d'Azur, qui est un vrai lancement, et on a trouvé en fait une vraie synergie à regrouper les trois événements en un seul événement, tout en sachant que l'objectif en fait, c'est vraiment l'originalité, et c'est ce qui différencie des autres Startup Weekend qui sont en France, qui sont généralement axés que sur le Startup Weekend. En fait, ce qui se passe en France, c'est que souvent il y a quand même des associations. Ce qui se passe, c'est que pendant la semaine du Startup Weekend, il y a d'autres événements qui se passent pendant la semaine. Par contre, ils sont pas forcément liés de la manière dont on les a fait enchaîner et organisés par la même structure. Ça a été réfléchi pour. Mais Et puis donc en termes d'association, donc pour revenir sur le but de Riviera Cube.
Donc Riviera Cube a été donc est une association qui se veut dynamique, décalée et fédératrice. Donc fédératrice de ce qui existe aujourd'hui déjà comme initiative. Il y a le Startup Factory, il y a le Venture Academy, le Business Accelerator. Il y a tout un ensemble d'initiatives qui existent sur la région qui sont très très sympathiques et qu'on veut mettre également en avant. Je cite aussi le Challenge Jeune Pousse, auprès duquel j'ai été invité en tant que coach. Donc Challenge Jeune Pousse qui est un concours pour les étudiants pour créer des startups aussi, qui sont accompagnés, mentorés pendant un certain nombre de mois et tout ça. Donc très très initiative très très intéressante. Donc il y a pas mal de choses qui existent. Donc c'est pour ça le côté fédérateur est très important. Et après il y a le côté dynamique, donc réellement créer quelque chose, bouger les choses, avancer. Pas juste rester avec des projets et des concepts. Exactement. Voilà. Et tous les membres de Riviera Cube se sont retrouvés sur ces valeurs-là. Il y a le côté décalage. Donc le côté décalage, c'est garder en fait une certaine liberté de ton et se donner la possibilité effectivement un jour de créer le R-Cube et un autre jour de créer autre chose qui aura une autre tonalité. Par exemple, on travaille sur un projet d'Open Coffee sur Nice, donc qui existait aujourd'hui à Sofia mais pas sur Nice, qui aura un modèle un petit peu différent. Donc voilà, par exemple nous on a utilisé pour le Barcamp une société qui s'appelle Inscription Center pour faire les inscriptions, et ben c'est une société de la région, donc on n'a pas besoin d'aller chercher une plateforme d'inscription ailleurs. Ça permet de prendre conscience en fait pour tout le monde, et nous c'est un peu le but quand on fait ce podcast aussi et tout, de s'en rendre compte que ici c'est vrai sur le département et la région, là on a vraiment beaucoup il y a des plages, mais il y a aussi beaucoup de savoir-faire dans le domaine du numérique. Tout à fait, ouais. Et c'est vrai que des fois avant d'aller chercher des choses hyper loin, bah, peut-être qu'en se renseignant un peu ou en justement en fréquentant ce genre d'événements, on va se rendre compte qu'il y a des gens qu'on peut rencontrer, parce que c'est vrai que c'est bien les réseaux sociaux et tout, mais c'est sympa de se rencontrer aussi, et avec qui on peut travailler, faire des partenariats sur place. Exactement, et puis se rendre compte aussi qu'il y a des perles en fait dans notre région aussi, qu'on n'est pas obligé d'être fier que de société justement de la vraie Silicon Valley ou de Paris ou d'ailleurs, même si j'ai rien contre. C'est pour ne citer qu'elle, il y a All in My Music, il y a des sociétés de ce genre-là, il y a Tic Express, il y a pas mal de sociétés qui ont vraiment une grosse valeur, un vrai business model, qui sont capables de gagner de l'argent, qui sont capables de se développer et qui réussissent vraiment. Il y a Nastéo. Absolument. Il y a partenaire de l'événement. Il y a Ulinks, il y a Ingenia, il y a plusieurs sociétés. Non, mais c'est vrai que ça manque pas sur Il y a même Wheezy Shop, donc qui est une société, donc d'un des membres en fait de l'association, qui est une société qui vend un produit de e-commerce facile à mettre en place et puis surtout avec un paiement au pourcentage, alors que d'autres. Donc à terme d'ailleurs, je crois que vous prévoyez d'organiser un peu des interviews, etc., pour faire connaître justement ces différentes. Exactement, l'idée c'est dans un premier temps l'association a des membres fondateurs, par la suite on va développer tout un programme d'adhésion. L'adhésion n'ayant pas comme objectif de ramener de l'argent à l'association pour développer des choses, mais surtout pour créer de la visibilité à l'économie numérique locale. Et donc déjà, en créant ces événements, on a rencontré des startups qu'on ne connaissait pas forcément ou pas de cette manière-là. Donc ça nous a permis aussi de commencer à créer un petit peu ce vivier-là. Et on va effectivement créer un certain nombre de portraits, que ce soit des portraits vidéo, des portraits écrits. Et on va publier ça au fur et à mesure avec des mises en avant. De connaissances, effectivement, et puis mettre en avant au fur et à mesure sur le site en fait des startups qui réussissent ou en tout cas qui mériteraient de réussir, essayer d'attirer des business angels sur ces startups, de lever un peu, de créer un peu de traction sur par rapport à ces startups là. Alors le Startup Weekend maintenant, donc le projet qui dure le plus longtemps puisque c'est 2 jours. Exactement. Donc en gros, on en a parlé un petit peu tout à l'heure pour préparer le podcast. C'est vrai que c'est ce que tu disais, c'est un peu fermé dans le sens que les intervenants qui vont travailler comme des fous pendant 48 heures, plus ceux qui vont travailler la nuit, en fait sont déjà inscrits puisque là les inscriptions sont terminées. Et c'est vrai que même pour participer ou en tout cas voir les gens travailler, ça ne sera pas possible. Oui, en fait, c'est le Startup Weekend est ouvert à tous pour la création, pour rentrer dans le business game en fait. Donc pour créer un projet, pour s'inscrire, c'est ouvert à tous. À partir du moment où l'événement est rempli, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de participants, tous les participants sont là pour participer à des projets. C'est vraiment l'esprit du Startup Weekend. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où les groupes sont créés le vendredi soir, les équipes se mettent à travailler.
et travaillent sur leurs projets, sont coachés par un certain nombre de personnes qui sont d'ores et déjà définies sur différentes thématiques et qui vont aider les équipes à se construire aussi bien en termes de stratégie commerciale qu'en termes de stratégie marketing, qu'en termes de technologie, d'outils, vraiment à différents niveaux, qui vont les aider à construire leur business model, à construire leur application au fur et à mesure du week-end. Mais par contre, effectivement, ce n'est pas ouvert au public à ce moment-là. Le dimanche soir, donc, il y a un jury qui, lui, est ouvert au public. Donc, si les gens veulent venir, le dimanche soir, on pourra quand même à partir de 17h, donc les gens peuvent venir assister aux résultats. Et ça, c'est pareil. Donc là, les inscriptions sont encore ouvertes sur le site. Mm-hmm. Donc il faut s'inscrire et il est possible donc, d'assister en fait, à la partie jury plus cocktail. Présentation donc, de chaque projet. Exactement. Donc, c'est le résultat de tout le week-end. Donc qui est tout à fait accessible en fait. Donc on appelle ça, au niveau du concept Startup Weekend, ça s'appelle la restitution. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a un pitch de départ et à la fin il y a une restitution en fait de tout le travail qui a été fait pendant le week-end. Et cette restitution-là est tout à fait accessible. Donc ça c'est intéressant pour tout le monde, tous ceux qui voudraient avoir un projet peut quand même partir en gros d'une idée le vendredi soir et le dimanche soir. C'est ça qu'on a trouvé les bonnes personnes. Ouais. On s'aperçoit que le projet peut être viable et surtout perdurer. En fait, ce qui se passe, c'est que l'idée, elle peut même être née de le matin même du vendredi ou en prenant l'avion. Ou ça peut être une idée toute bête, mais qui n'existe pas aujourd'hui. Je sais pas. En étant en panne d'essence, on savait pas trouver la station service et on a l'idée de faire une application de géolocalisation des stations service. Enfin, voilà, ça peut être une idée comme ça, aussi basique que ça. Il y en a même, je suis persuadé, qui ont l'idée dans la salle le jour J, juste avant les présentations. Oui, en fait, il y a une motivation qui se crée. Exactement. Mais c'est le concept, en fait. C'est vraiment le concept et c'est aussi boosté pour créer cette émulation. Ce qui est très intéressant aussi, tu nous en parlais tout à l'heure au niveau statistique, c'est de se dire que c'est pas juste pour s'amuser, on passe 48 heures à faire une muse avec des. Ouais. Il y a quand même une bonne partie des projets qui sont créés. Voilà. Donc selon les statistiques de Startup Weekend Monde, dont le siège est basé à Seattle, en fait, il y a 30% des startups qui sont créées pendant un Startup Weekend qui ont encore une existence, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui travaillent dessus 6 mois plus tard. Voilà. Donc après, il y a des grosses success stories du genre Food Spotting, du genre Memolène, du genre Super Marmite. Mm-hmm. C'est des sociétés qui ont levé, en tout cas pour les deux premières, plusieurs millions de dollars pour se financer sur un concept qui a été inventé de la manière dont je vous ai décrit précédemment. L'équipe s'est fondée, formée, l'idée a germé comme ça, et à la fin du Startup Weekend, il y avait quelque chose, et ensuite c'est devenu une vraie société. Donc, et il y a de plus en plus de sociétés, de startups qui naissent de cette manière-là. Donc, ça va vraiment dans le sens, encore une fois, de la mission de Riviera Cube, de donner envie d'entreprendre, de favoriser la création d'entreprises et dynamiser les acteurs numériques. L'idée, c'est aussi de réunir des jeunes, en gros, et des gens qui n'ont pas forcément toutes les compétences pour pouvoir mener à bien un projet, et de réunir ces différentes compétences et de les rassembler autour d'un projet unique et qui va permettre de pouvoir évoluer. C'est des jeunes et des moins jeunes. C'est-à-dire que la population d'un Startup Weekend, ça peut aller de... Le podcast, nous, il est regardé que par des jeunes. On l'a dit au départ. Ok. Donc, il n'y a que des jeunes. Donc, il y a des jeunes et des moins jeunes, en fait. Donc, ça va des étudiants. Donc, on a un certain nombre d'étudiants qui sont inscrits. Et puis après, il y a des gens de, je ne sais pas, quand je dis moins jeunes, et après, il y en a qui vont s'offusquer, mais il y a des gens de 40 ans qui vont venir sur l'événement parce qu'en fait, ils ont une super idée et puis ils n'ont pas forcément trouvé la manière de la développer. Où ils n'avaient pas dans leur réseau des développeurs, des graphistes et tout ça. Donc pour eux, c'est une opportunité de développement de leur idée qu'ils avaient peut-être dans un coin de la tête, mais sur laquelle ils n'ont jamais travaillé. Et pris le temps et c'est un bon launcher en fait pour Ce qui est intéressant, c'est le challenge en fait. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de réunir vraiment différentes équipes, différents projets, parce que tu vas pouvoir aussi écouter, voir, développer des projets qui sont vraiment innovants, parce que c'est le principe. Hein. Et donc ça, c'est vrai que c'est super enrichissant. Donc, je pense que le dimanche soir, quand il y aura la remise des prix, et donc le prix en fait, oui, c'est vrai.
On en a parlé. Donc, le prix, qu'est-ce qu'on gagne, mis à part le droit d'être connu des gens. Non, en fait, ce qu'on gagne, donc en fait, le porteur de projet, j'insiste sur ça, le porteur de projet de l'équipe gagnante, lui va gagner un voyage, un geek trip. Donc ça parlera à certains, pas à d'autres, mais on c'est. On mettra l'URL, vous verrez, voilà, ça va vous plaire. C'est un voyage initiatique, je dirais, dans la Silicon Valley, organisé par Philippe Jeudy, dont un grand baroudeur de la Silicon Valley avec un réseau très, très développé à San Francisco et autour, qui vous fera visiter en fait les plus grosses sociétés de la Silicon Valley. Donc c'est vrai, quand vous êtes là-bas, vous avez un peu l'impression d'être sur Internet. Vous voyez, mais en vrai, tu navigues avec un bus. Et puis, exactement ça. C'est exactement ça. Et donc l'idée, c'est ça, de voir des venture capitalistes, de voir des Français qui sont installés là-bas, qui ont réussi. Une bonne communauté française. Hein. Tout à fait. Ouais. Donc c'est un peu un mix de tout. Et lui connaît bien pas mal de monde là-bas. Et puis c'est le truc dont on revient booster à bloc. Et exactement. Puis ça donne une idée de l'esprit et de la culture de la création d'entreprise. Ouais. Ça remet les valeurs dans la Silicon Valley. Puis ça permet de faire des relativiser, puis de développer peut-être les choses autrement et tout. Ça donne une ouverture d'esprit, on va dire. Je pense que c'est assez important. Et puis c'est un truc qu'on voulait faire dès la première édition. Donc ça, c'est réussi grâce aussi à Philippe Jeudy qui nous accompagne là-dessus. Donc voilà, donc ça c'est pour le premier en fait. Et donc le premier plus les deux suivants gagneront en fait un accompagnement de 3 mois. Mm-hmm. Donc une période d'accompagnement de 3 mois par des professionnels qui vont les aider à maturer, concrétiser leur projet. Maturer, ça existe peut-être pas forcément, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Donc voilà, donc d'avoir une certaine maturité sur leur projet, que ça soit au niveau juridique, au niveau comptable. Donc en fait, nos sponsors nous aident beaucoup là-dessus, en fait, sur les prix remis aux trois premiers gagnants. Ouais. Et on aura aussi un prix un petit peu original. Ah non, un Jackie. On aura un prix un peu original, donc qui sera le prix de l'innovation. Mm-hmm. Donc ça sera un prix remis à l'idée la plus innovante du Startup Weekend, le projet le plus innovant du Startup Weekend, qui lui sera accompagné par une société qui s'appelle Vianoveo, qui est spécialisée dans les méthodes et projets de gestion et logiciels de gestion de projets d'innovation. Et ça, donc qui va les aider à. Uniquement sur les 10-12 projets qui auront été sélectionnés par le public. Exactement, les 10-12 projets qui vont se dérouler tout au cours du week-end. On a hâte de voir le résultat. Alors on sera présent à l'Open Coffee. John et moi, on filmera quelques trucs à l'Open Coffee. On ne pourra pas être présent malheureusement au Startup. Mais on essaiera de récupérer des streams. Parce que voilà. C'est donc Nasteo diffuse en live. Donc oui, pour ceux qui ne pourront pas être présents d'ailleurs. C'est ça l'intérêt. Au Barcamp et aux cérémonies d'ouverture et de clôture du Startup Weekend. Pub gratuite Nasteo diffuse donc en fait un live. Je pense que vous tweeterez ça sur le Twitter. Donc on le mettra du R-Cube. Et donc vous pourrez voir à distance en vidéo ce qui se passe. Hein, ça permet quand même, on sait jamais, un petit problème de timing, on peut pas être là, on regarde sur internet et on y va. Il y aura des fils Twitter également à suivre pendant tout le week-end. Ouais. Donc un fil Twitter, le R3, le R-Cube donc. LER3 et un autre fil Twitter SWNSA, donc pour Startup Weekend Nice Sofia Antipolis. Donc SWNSA. Super, on a tout dit. On a tout dit, écoute, super. Merci beaucoup Sylvain. Merci beaucoup. Merci d'avoir invité le soleil à notre Et à jeudi soir. On se voit jeudi et puis comme ça on continue. À jeudi.
il est là, donc ok. Alors bonjour à tous, bienvenue à Solen Geek épisode 5. Salut Christophe. Salut John, et donc bienvenue aujourd'hui en direct des terrasses de Sofia. Endroit. On la refait. Les terrasses de Sofia, où auront lieu. D'accord. Allez, blabla. Bonjour à tous, bienvenue à Solen Geek épisode 5. C'est pas grave, on la refait. Tu peux nous en dire trois mots rapidement. Oui, donc le AirCube. Ah bah, alors on y va. Ah bah. On va partir. Alors, par contre, il ne faut pas toucher le micro parce que ça s'entend. Oui, d'accord. Autre chose. Prends la télécommande. Non, c'est bon, mais n'appuie pas non plus. L'Apple Store de Cap 3000 va nous fournir un bon d'achat décoré, tout ça. Merde. Pour. Faut pas dire trop de bêtises alors. pour le Startup Weekend, et c'est vraiment très sympa. Et cool. Faut que je parle de gars là. Impeccable. Bon, bah, sur ces belles paroles. Et bah, see you next time. Hein. Voilà. Voilà. Merci. Ça, bon week-end.